Moi, j'aime bien créer des logiciels. Tu aurais envie de faire un film? Ah oui, si on peut faire de la musique, on peut faire un film. À quoi tu penses? Bah, on pourrait avoir des personnages qu'on dessine, ils pourraient bouger, se parler. Ah oui, on va raconter un voyage. Où ça? Au Brésil! Mais moi, je préfère le foot. Ben, un voyage de foot au Brésil. Ok, mais comment on fait? Il faut y aller étape par étape. D'abord, il faut dessiner un fond. Remplacer le chat par des personnages et les bouger à l'écran. Donc, tu vois pour le dessin. Donc, on va faire un deuxième arrière-plan, donc un nouveau. Donc, moi, j'ai envie de faire Paris. Donc, on va faire, par exemple, la Seine. Oui. Voilà. La Tour Eiffel. Évidemment. Ah, elle est trop bien. Donc tu vois, on va sélectionner le petit symbole pour importer un fichier. On choisit le personnage. On sélectionne, ok. Donc après, on va dans costume. On clique sur sélectionner. On prend le coin en haut à gauche. Et on sélectionne l'image. Après, tu vois, tout en haut, au milieu, oui, il y a un petit rond. Donc tu le prends. Donc ça, c'est pour faire des rotations. Donc on clique dessus. On met le petit personnage droit. Ensuite, on prend en bas à droite ou en bas à gauche. Et on change la taille. Et donc, après, on n'a plus qu'à choisir si on veut le mettre grand ou petit. Et voilà. Ensuite, on retourne dans script. Alors, dans notre histoire, on voit déjà qu'on est à Paris. L'arrière-plan montre Paris. On a nos personnages. Il y a un personnage féminin, un personnage masculin et la coupe. Mais la coupe n'a rien à faire là. Elle est au Brésil, pas à Paris. Bah oui, alors je vais t'expliquer comment on fait pour la cacher. Mais pas la supprimer, juste la cacher. En dessous de notre petit dessin, on va faire un clic droit sur la coupe
Et on va cliquer sur cacher. Tu vois, elle n'est plus là. Ah, c'est super. Mais je peux la faire réapparaître, regarde. Je refais un clic droit sur elle. Et j'ai juste à faire montrer. C'est vraiment bien. Ouais. Comme on veut qu'ils aillent de Paris jusqu'au Brésil, faut bien qu'ils se déplacent. Donc, un avion, c'est pas mal. Donc, on va aller dans Nouveau Lutin. On va prendre le petit personnage qu'on va cliquer dessus. Ensuite, on va aller dans Transport et on va choisir l'avion. Par exemple, on peut le placer à droite et les personnages, on les met à gauche. Donc, le problème, comme on a deux personnages, on peut pas faire deux listes pour les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est que en bas, on va cliquer sur la petite souris. Ça nous fait un bureau. Et quand on clique, par exemple, sur la petite balle qui s'appelle Thiago, ce serait un autre bureau. Donc on a dit qu'on commençait par la souris. On va aller dans événements. On va prendre quand démarrer pressé, qu'on va glisser dans le bureau. Ensuite, on va aller dans mouvement et on va mettre aller à la suite de quand pressé. Puis, on va la déplacer vers l'avion et on va ajouter à la liste glisser en une seconde à. Puis, il faut faire pareil pour Thiago. Donc, du coup, on clique en bas de notre dessin sur lui. Donc tu vois, toute la liste qui était pour la petite souris, elle a disparu. Donc, on va dans événements. On prend le quand démarrer pressé. Donc on fait exactement la même chose que pour la souris. Ensuite, on va dans mouvement. On prend le aller à qu'on met à la suite de la liste. Ensuite, on le déplace vers l'avion. Et on met glisser en une seconde. Et par exemple, en haut, regarde, on va faire le petit drapeau vert. Regarde ce qui va se passer. Il se déplace vers l'avion. C'est super. Mais oui. Donc tu vois, pour que l'avion décolle avec eux, on a besoin d'un message. On va aller cliquer en dessous sur Thiago. Et donc, on va aller dans événements. Donc, il y a des messages. Donc on va faire envoyer à tous. Donc au lieu de message 1, on va cliquer sur nouveau message. Par exemple, on est là. Ensuite, on va aller sur l'avion. Et on va ajouter quand je reçois, on est là. Et donc tu vois, l'avion à la souris, donc je vais le prendre. Je vais le déplacer dans le ciel. Je vais aller dans mouvement. Je vais prendre le glisser en une seconde. Je vais encore le déplacer pour montrer qu'il vole. Donc, on prend encore glisser en une seconde. Et voilà, regarde, on va essayer avec le petit drapeau. Mais tu vois le problème? C'est que l'avion, il veut pas rester en bas quand les personnages arrivent. Il est déjà dans le ciel. Oui. Du coup, ce qu'il faut faire, donc, on va prendre l'avion qu'on va placer en bas à droite, donc là où on le voulait. On va dans événements. On fait une deuxième liste avec quand, avec le petit drapeau pressé. Et donc ensuite, on va aller dans le menu mouvement. Et on va glisser aller à. Et regarde, on va appuyer sur le drapeau en haut à droite. Tu vois? Ah, c'est beaucoup mieux. Mais oui. Mais le problème, c'est que quand l'avion décolle, on les voit encore, eux, les personnages. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire. Donc, on va aller sur Souriza. Et donc, faut les cacher. Donc, on va aller dans le menu Apparence. On va glisser cacher à la suite de la liste.
Pareil pour Thiago. Apparence. Cacher la suite de la liste. Donc on va essayer. Ah bah oui, ça marche. Attends, on va réessayer encore. Hein ? Mais ils ont disparu. Je sais pourquoi. C'est parce que on n'a jamais dit qu'ils devaient être montrés. Du coup, on va retourner sur Souriza. On retourne dans le menu apparence. Et ce qu'il faut faire, c'est que on va glisser montrer entre camp pressé et aléa. Pareil pour Thiago. Donc on prend montrer, qu'on place entre camp pressé et aléa. Tu vas voir. On va le recommencer. Et voilà, c'est parfait. Ah oui. Comme là, on veut les emmener au Brésil. Donc il faut pas le même fond. Donc nous, on en a déjà dessiné un tout à l'heure. Donc on n'a plus qu'à le charger. Donc on va faire importer l'arrière-plan depuis un fichier. Ouvrir. Ensuite, on retourne dans Script. On va dans Apparence. Et donc, on va cliquer sur l'avion qui se trouve en dessous. Pour l'apparence, on va faire basculer sur l'arrière-plan qu'on va placer entre camp pressé et aléa pour le début de l'histoire. Donc on va mettre le fond de Paris, donc arrière-plan 2. Et on va faire la même chose pour la suite de l'histoire. Qu'on va mettre à la suite de glisser en une seconde. Et nous, le fond, on l'a appelé fond. Voilà, et donc si on fait démarrer, on peut voir que l'avion arrive au Brésil. Pour faire atterrir l'avion, on va aller dans le menu mouvement. D'accord. Donc on va prendre l'avion qui est dans notre dessin et on va le mettre en bas à gauche. On va prendre aléa qu'on va glisser à la suite de notre deuxième liste. Ensuite, on va prendre l'avion et on va le glisser en bas à droite. Et on va mettre glisser en une seconde à la suite de notre liste. Après, il faut faire sortir nos personnages. Comment faire? Il faut que l'avion envoie un message à Souriza et à Thiago. Donc, on va aller dans le menu événements. Et donc, on va envoyer un message aux autres. Donc, envoyer à tous. Donc, nouveau message. On va appeler par exemple on est arrivé. Ok, donc on va le mettre à la suite de la liste. Et quand je reçois on est arrivé. Et on va faire pareil pour Thiago. Quand je reçois, on est arrivé. À la suite de la liste pour Souriza, on va ajouter montrer. Pareil pour celle de Thiago. Donc on va mettre montrer à la suite de quand je reçois, on est arrivé. Pour l'avion, à l'inverse, on va mettre cacher. À la suite de envoyer à tous, on est arrivé. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on mette des sons, donc un dialogue entre Souriza et Thiago. Par exemple, moi, je vais commencer à enregistrer le mien. Donc, tiens, Thiago, et si on allait au carnaval de Rio? On va l'écouter. Tiens, Thiago, et si on allait au carnaval de Rio? Donc voilà.
Après, on va faire pareil pour Thiago. Donc, tu me dis quand t'es prêt à enregistrer. C'est bon. Oh non, moi je préfère aller jouer au foot sur la plage. On va l'écouter. Oh non, moi je préfère aller jouer au foot sur la plage. On n'entend pas très bien, faudrait que tu parles plus fort. Ouais. On le supprime. Et... Tu le refais, t'es prêt? Oh non, moi je veux aller jouer au foot sur la plage. On va l'écouter. Oh non, moi je veux aller jouer au foot sur la plage. Ouais, il est bien. On va dans le menu son. Et donc pour Souriza, et on va ajouter jouer le son à la suite de montrer. Ensuite, on va aller dans événements et on va faire envoyer à tous. Et donc, on va faire un nouveau message. Et donc, on va l'appeler par exemple, à toi. À toi de parler, même. Voilà. Quand on va aller dans Thiago. Et ce qu'on va faire, c'est quand je reçois à toi de parler, donc ça va être une nouvelle liste. Oui. Et bah, on va aller dans son. Jouer le son enregistrement. Et voilà. Donc on va le mettre en plein écran et on va regarder tout ça. L'avion a disparu. Je sais pourquoi. Parce que regarde. Donc on va remettre en mode normal. On va aller dans l'avion. Dans apparence. Et donc là, on va mettre montrer entre camp pressé et basculer sur l'arrière-plan. Et là, normalement, si on met en grand écran et qu'on regarde. Tiens, Thiago, et si on allait au carnaval de Rio? Oh non, moi je veux aller jouer au foot sur la plage. Ah, bah c'est beaucoup mieux. Ah, c'est top, c'est vraiment bien.